See that, Mulan? It's Shan Yu, leader of the Hun army. Come on, girl. This is your big chance. I can see it now. Fa Mulan whoops public enemy number one. You're gonna be famous. I'm talking A-list. Mushu, I'm not sure. I haven't even joined the army yet. I have to take my father's place to preserve the Fa family honor. I just hope I don't get discovered. Whatever. You're just scared. Admit it. Aren't you? Huh? Yes. Let's get the jump on him. Gorge. Maybe we better look before we leap. Is that Mushu? That's right. I know you heard of me. I'm little, lethal, and legendary. Now y'all scram before I get my dragon dander up. Hey, Mushu. We missed you. Yeah, well, you better hope I miss you, or else you're Sora, Donald, Goofy! Do you know them? Know them? Man, we used to kick all kinds of bad guy butt together. Yeah, you know I help these guys out of a lot of tight spots. Because I'm a mighty dragon, right? Something like that. And you are? I'm Mulan. I mean... Ping! Mulan Ping! Just Ping. I am Ping, son of Fazu. You know Mushu? Mushu's one of my family's guardians. We didn't know we were borrowing somebody as important as a family guardian. Yeah, that's right. And that puts you three up to your eyeballs in debt to Ping here. Well, guess what, kiddies? It's payback time. Mushu. Ah, they don't mind. Ain't that right? Sounds fair. See, Ping here was just on his way to join the Imperial Army. We gotta go find the other recruits over at the training camp. Would you join us? It'll be easier to fit in if I'm with guys like you. What do you mean, fit in? Well, don't worry about that. You're pretending to be a boy, aren't you? Huh? What? You're a girl? You didn't notice? Not me. I think it's working. I don't know. Those two would fall for anything. I'm right here. How? Et salut tout le monde, c'est Ria. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Hearts The Final Mix Level 1 Challenge. On se retrouve donc pour l'épisode numéro 8 les amis. Et donc on se retrouve dans le monde de Mulan. Je vous ai épargné la phase Engumi Ship. Vous avez eu la petite intro qui va bien, du coup vous savez très bien ce qu'on a fait la dernière fois. Et donc effectivement c'est la première vidéo que je fais avec mon nouveau pseudo. Voilà, j'ai changé de pseudo comme certains l'ont noté dans les autres vidéos. Et donc, l'explication est plus simple, voilà, je vais donner une explication au début de chacune des prochaines vidéos de chaque série. L'explication la plus simple, c'est tout simplement que Stone Eagle 25, c'était un vieux pseudo. Disons qu'il appartenait à une ancienne époque, très simplement. Et j'avais un petit peu envie de tourner la page, de changer un petit peu. Et puis même, en fait, Eagle, c'était un petit peu un pseudo qu'on retrouve énormément un peu partout. Et c'était un peu dommage, je trouvais ça un peu impersonnel. Et c'est pour cette raison que j'avais décidé, en fait, de changer ça. Et de me trouver un pseudo qui peut-être m'irait mieux, enfin je veux dire, qui soit plus personnel. Et alors, pour ceux qui se demandent, il n'y a pas d'histoire avec ce pseudo, et comme je l'ai dit à quelqu'un dans les commentaires, ce pseudo, il n'y a pas vraiment de raison qu'il existe, hein, si ce n'est que j'avais envie de changer. Et donc, il n'a pas de signification particulière. Mais profitons de cette aventure YouTube et de ces différentes séries pour lui trouver une nouvelle signification et une véritable histoire, les amis. Donc, mais je compte sur vous, voilà, pour la suite. Dans tous les cas, là, vous pouvez toujours m'appeler Ria, Romain, etc. Mais bon, voilà, Stone Eagle 25, c'est du passé. Et maintenant que cette petite parenthèse est faite, on va pouvoir avancer, les amis.
Donc comme je vous ai dit, comme dans mon let's play précédent, je vous ai épargné les phases de Gummy parce que c'est pas intéressant du tout. Et donc bah écoutez, on se retrouve donc dans le monde de Mulan et on va essayer d'intégrer l'armée impériale. Et on risque de se taper quelques petits ennemis qui vont me faire râler. About time we got some grub. Hey, no cutting. Get out. Back off. A space in line. I wonder what they're serving for lunch today. Knuckle sandwiches. That does it. Please. Please. What a girl. Knock it off. Knock what off? You punched me. What a shrimp. Who you calling a shrimp, panda lips? I'm a bona fide guardian dragon. Let's just get back in line, okay? Whose side are you on? I just got slugged. Want some more? Soldiers, get back in line. The captain. What are they? Heartless. Oh, yeah? Ping, I hope you're ready. Ok, donc on a trouvé notre ticket d'entrée pour arriver ici. On a la jauge de morale de notre ami Ping, ou Mulan, c'est au choix, qui est juste ici. Et donc c'est pour ça que ce monde en fait me saoule un peu, c'est parce qu'on a la jauge de morale. Et disons que vu qu'on a tendance à prendre plus de temps à éliminer les ennemis, la jauge de morale est encore plus complexe à gérer. D'autant plus lorsqu'on prend des coups. Alors ces ennemis là, ils peuvent me one-shot, du coup faut être très prudent. Voilà, on récupère les jauges de morale qui vont bien. Et le moral est à zéro, voilà. Typique. Je déteste ça, mon dieu, il faut que ça commence comme ça. Bon, on va reprendre. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Le moral, c'est important, comme la santé. Mais bon, voilà, la jauge de morale va vraiment être... casse-pied, de chez casse-pied, clairement, pour rester poli. Ah, c'est vrai que j'ai brasier maintenant, tiens. J'avais complètement zappé, mais... C'est vrai que j'ai brasier. Ça pourra m'être utile. Ah, mais c'est pour ça, en fait, il s'est pris un coup ou... Allez, voilà, élimine-le. Comment ça se fait qu'on soit mort tout à l'heure? Comment ça se fait qu'on ait perdu autant de morale d'un coup? Je comprends pas. Y'a quelqu'un qui est mort ou quoi? Alors, il faut faire très gaffe à lui. Parce que il peut vraiment nous faire très très mal. Et alors, la petite ombre à la noix, là. Tu meurs. Parfait. Vous trois, quels sont vos noms? Sora, Donald, Dingo. Bienvenue dans mon bataillon. C'est d'hommes forts comme vous dont nous avons besoin. Je suis Ping, fils de... Toi, rentre vite chez toi. Mais... Ce serait un déshonneur pour toute ma famille. Tu préfères déshonorer mes troupes? Retenez-moi, je vais faire un malheur. En s'entraînant dur, je suis sûr que Ping deviendra rapidement un soldat d'exception. Confiez-nous une mission. Nous vous prouverons que nous faisons une équipe hors pair. Vous souhaitez faire vos preuves. Nous avons pour ordre de tendre une embuscade à Shan Yu et ses troupes.
Ils devraient arriver par la montagne. On va les ratatiner! J'en doute fort. Partez un éclaireur et repérez le terrain pour mes hommes. C'est tout? Trop simple? Pas vrai? Oui. Je vous communiquerai les détails plus tard. Venez me trouver quand vous serez prêt. Et n'oubliez pas que même les plus humbles missions servent les grandes causes. Soyez vigilants. À vos ordres! Très bien, donc on arrive au campement. C'est très bien. Et donc, bah écoutez, on va très simplement se lancer dans les missions. Avant ça, je vais juste aller récupérer les coffres qui est à côté, si je peux y aller. J'ai pas encore utilisé Vaillance. Bon, on verra ça. Je l'utiliserai certainement dans pas longtemps. Alors, on va récupérer les coffres, pas la peine de faire les combats. Vous savez comment ça fonctionne. C'est vrai qu'on n'a pas encore la roulade, du coup, puisqu'on n'a pas encore débloqué. Aïe, 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 aïe. Je déteste ces ennemis-là. Waouh! Ouais, vous voyez quand même, ils tapent fort. Ils font pas que du bien. Hop, bon, c'est pas très grave, on s'en remettra. Waouh, waouh, waouh. Laissez-moi tranquille, vous. Je vous ai rien fait. Bien, donc on repart par là. Et on va prendre notre première mission auprès de Shang. Parce que je crois qu'il s'appelle Shang, hein. Je suis pas tout à fait sûr, mais... Êtes-vous prêt à effectuer une mission? Oui. Alors, je me souviens qu'il y a une émission au poste de contrôle qui est horrible, sur laquelle j'ai vraiment galéré pendant un moment. Alors, un individu suspect a été repéré aux abords du poste de contrôle. Ouais, c'est celle-là qui est chaud. Donc on va faire l'attaque surprise en premier. On va tenter, j'ai dit bien tenter, de faire ces trois missions dans cet épisode. On verra comment on avance. Alors, élimine les sans cœur, ne laisse pas la jauge de morale baisser, très bien. Alors bon, voilà, classique. Hop, je préfère faire des combos aériens sur eux. Aïe, 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 ah, mais l'ombre! La petite ombre que j'ai loquée alors que c'était absolument pas fait exprès, quoi. Le fail. Alors, il faut aussi faire gaffe à sa vie, mine de rien. Et vu que ces enfoirés font mal, et avec leur attaque tourbillon, là, ils sont vraiment horribles. Vite, une potion. Allez. Ok, ça va le faire, ça va le faire. Ah, il reste 12 sans cœur quand même. Effectivement. C'est un peu la merde. Hop. Alors, on va éviter de se foutre dans un coin parce que ça le fait pas. Oh, oh, oh. Les ombres, en fait, elles sont cheatées, mine de rien. Vraiment, c'est des ennemis. Voilà, prends-toi ça. C'est avec carré brasier. Allez, on va nettoyer la zone. Hop, 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 hop. Vous connaissez la technique avec les ombres. Hein. Ok. Il nous reste deux ennemis. Je pense que Ping va éliminer l'autre ombre. Par contre, Donald, tu fais quoi là-bas? J'ai une petite question pour toi, Donald. À quoi tu sers? Bon, voilà. La première mission est faite. Pas trop compliqué, ça va. Ça va, ça va. Piètre performance. Concentrez-vous. Ça ne fait que commencer. Salaud, attends, je me suis fail ou quoi? Ah non, 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 elle est finie. On va faire le campement d'abord et ensuite on finira par l'embuscade qui est la plus compliquée d'après mes souvenirs. Mais l'autre, piètre performance, je te défie d'arriver jusque là en level 1 sur cage 2. Je te mets au défi de le faire. Tu verras, c'est pas si simple. Alors, ils sont où les coquinous? Bonjour. Je cherche des ennemis. Oh là là, quelle catastrophe. Quelle catastrophe, nom de Dieu. Alors, bon, la suite. La jauge de morale, elle va tomber à une vitesse. Ok, on récupère bien toutes les petites boboules. Toi là, ne bouge plus. Tu es ma cible. Alors je sais qu'après on aura des espèces de sorciers qui devraient apparaître. Je pense que ce seront les deux derniers ennemis. Ah non, j'en ai entendu un popper. Il est où? Ah là-bas. Ah non, il y en a deux. Alors, on va d'abord s'occuper de celui-ci. Il faut les prendre à part, hein, vraiment, parce que s'il y en a un qui arrive en mode coucou, comme ça par exemple.
Non, parce que si le deuxième décide de faire chier... Voilà, cette attaque, elle est horrible. Je vous préviens tout de suite, si jamais vous n'avez jamais tenté. Elle one-shot, hein, il me semble. Ok, donc pour le moment, on s'en sort plutôt bien. Je suis assez content, mine de rien. On avance bien. L'épisode risque de pas être ultra long. Très bien, continue sur cette lancée. Il vous reste encore du travail à accomplir. Ok. Bonus PC. Ouais, j'aimerais potentiellement arriver jusqu'au village en haut, mais ça dépendra de comment se passe embuscade en fait. On va bien voir. Alors, embuscade, c'est celle où on va avoir des centaures, les amis. Les centaures qui sont le cancer du début de jeu, hein, voilà, un peu comme les samouraïs, etc. C'est le genre d'ennemi que vous n'avez pas envie d'affronter, mais vous n'avez pas le choix. Alors. Vas-y, là, comme ça. Alors lui, on va s'en occuper immédiatement parce que, mine de rien, il fait partie des plus dangereux. Aïe! Non, 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 non. Vous voyez, ça va très vite, hein. Ça va vraiment très très vite. Et voilà. Pas le temps de se soigner, c'est super. Merci beaucoup. Je sais pas si on obtiendra Petalgard assez vite, je ne me souviens plus. Ouais, ça doit arriver assez vite. Ou alors ça dépend seulement des... Attendez, mais je crois que je l'ai déjà en fait, Petalgard. Attends, je veux voir mes compétences un peu, parce que j'ai débloqué celle de Vaillance, bien évidemment. Voilà. Booster objet, très bien. Non, je l'ai pas Petalgard. Très bien. Ok. Ok, ok. La config, on va rester sur ça pour le moment, ça me semble plutôt bien. Autonome, Donald Foudre, Donald Soin. On est bon. Soin, par contre, tu vas le mettre en médium, s'il te plaît. De manière à pas trop spammer les soins, parce que sinon, tu vas plus avoir de magie très rapidement. Bon, on est bien pour le moment, ça va. Il y a pire. On va recommencer en embuscade. C'est pas très grave. On a eu un fail. C'est le deuxième fail de la vidéo, mais sur l'ensemble de la vidéo, pour le moment, ça va. C'est pas trop failesque, donc je suis assez content. Ok, c'est un fail. Bon, c'est un double fail. Très bien. Heureusement qu'à l'instant, je viens de dire qu'on faisait pas de fail. Hein. Boulet. Mais c'est ça de pas regarder... ses commandes. Parce que vu que j'ai pas géré mes configs comme ce que je veux, en fait, bah, du coup, je me retrouve quand même un idiot. Ok, c'est bon. On a bien géré, là. On va l'avoir, celui-là. Aïe, aïe, aïe. Super. Oula. Bonjour. Je suis pas intéressé si c'est pour un annuaire, hein, je te préviens tout de suite. Alors, j'aimerais... Vas-y, saute. Non. Tu vas pas sauter. Alors là, c'est le truc. Là, il va sauter. Ok. Ça sert à ça de connaître les patterns des ennemis. Mais mine de rien, quand même, je vois que... En jouant à Bloodborne et tout, j'ai quand même pris des réflexes par rapport à l'analyse des déplacements des ennemis. Oh, allez, saute. Ok, bien. Un en moins. Alors, toi. Ok. Le deuxième coup critique qui a été salvateur. Ah là 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 là. Je suis dans le caca. Je suis dans le caca. Dans le caca boudin. Non. Oh putain, quelle horreur. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Ah. Ok, j'ai réussi à le contrer. Ça, c'est plutôt bien. Ça peut paraître tout bête, mais c'est déjà un bon début. Alors, glacier, c'est plutôt pas mal sur lui. Allez, vas-y, saute. Allez, viens. Fais-moi ton attaque sautée, là. Dépêche-toi. Allô? Je me tiens assez éloigné exprès pour que tu sautes, idiot. Alors, on va essayer de se rapprocher. Non. Oh, quelle horreur, il veut pas avancer. Et vu que Donald vient de mourir, c'est la catastrophe. Ah, ok. Ah, 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 ah. Et vu que c'est ping, je peux pas non plus la changer. Super. Oh là, mon dieu, ça va être galère. Alors, désolé pour les petits... Ah, mais non, qu'est-ce que tu me fais? Ah, il a chié dans la colle. Allez, vas-y. T'étais pas du tout censé faire ça, mais c'est pas grave. Ah, il a chié dans la colle d'une force.
Oh non, 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 je vais mourir. S'il me spamme les charges comme ça pendant 20 ans, ça va pas aller. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, c'est le moment. Oh, on a réussi en embuscade. C'était Tandax, hein. J'avoue, c'était Tandax, mais on a réussi. Bon, on va aller jusqu'au village et on se laissera là-bas, les amis. Bon. Vous vous en êtes bien sortis. Et comment? Capitaine. Je reconnais que tu as un peu progressé, mais... Pas un peu, beaucoup! Non, vous avez raison, capitaine. Confiez-moi une dernière mission. Cette fois, je vous montrerai de quoi je suis capable. Très bien, je t'offre une dernière chance. Venez me voir quand vous serez prêt. Et dites-vous que même si c'est un test, il s'agit d'une mission primordiale. Alors du nerf. À vos ordres! Bien! Et ben voilà, on est plutôt pas mal. Je suis très content d'avoir réussi l'embuscade aussi vite. Alors, ouvrez la voie vers le sommet pour le reste de la compagnie. J'ai donné pour consigne de vous laisser passer. Tâchez de ne pas me décevoir. Très bien. Et bien, puisque c'est comme ça, on va aller ouvrir le chemin. Tracer le chemin. Merci à ceux qui ont reconnu. Alors, c'est pas un Disney, je crois pas. Non, c'est un DreamWorks. C'est un film d'animation de DreamWorks. Et si vous me suivez sur Twitter, vous savez que parfois, j'aime des musiques qui sont tirées de ce film. Bon, il y a le petit faucon, le Shanyu, qui est venu nous faire un petit coucou. Et alors là, il faut immédiatement faire Breeze Rock. Si on va avoir une chance de passer, voilà. Il faut spammer un Breeze Rock le plus rapidement possible, de manière à ne pas se faire infiniser du cul par ces idiots. On va se faire une petite potion parce que là, il y a des centaures. Et donc là... Allez, vite, vite! Putain, ça passe. Oh yes. J'ai eu beaucoup de chance, mais on a réussi. Très bien, ben, c'est super. C'est super. Très content. Et c'est plutôt pas mal. Un modèle de virilité. Merci. Mais le capitaine... Capitaine! Ping a été formidable! Je dirais même plus, fantastique! Très bien, tu peux intégrer mon bataillon. Mais je ne suis toujours pas convaincu de ta valeur. Alors ça, c'est un peu fort. Ce n'est rien, Sora. J'aurai bien l'occasion de prouver ce que je vaux. Il suffira de saisir ma chance. Voilà qui est bien parlé. Merci, capitaine. Bien joué, Ping. Merci. La chance nous sourit, ma grande. Je viens de voir un type louche. Je suis sûr que c'était Shanyu. Shanyu ? C'est le chef des 1. Il faut avertir le capitaine. Et vite ! Hep, 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 on se calme. Et si vous faisiez un peu fonctionner vos ménages ? Vous vous souvenez pourquoi on est là ? Pour convaincre le capitaine de la bravoure de Mulan, enfin de Ping. Alors, allons débusquer Shanyu nous-mêmes. Avec un peu de chance, on pourra même l'éliminer. Mais le localiser devrait suffire à vous assurer les faveurs du capitaine. D'accord, allons-y. Vous pouvez compter sur nous. Voilà ce que je voulais entendre. Shanyu est dans la grotte aux abords du village.
Bien, donc nous sommes arrivés au village et on apprend que Shan Yu est censé se trouver dans cette petite grotte qui se trouve par là-bas. Alors, effectivement, Shan Yu est le chef des Huns. Et alors non, je ne referai pas la blague que j'avais fait dans mon premier let's play. Je ne la referai pas. Si vous souhaitez savoir quelle était cette blague, allez voir l'ancien let's play. Bien que la qualité vidéo soit peut-être un peu moins présente, qualité vidéo et audio potentiellement, je pense que c'est toujours regardable, mine de rien. Et donc, j'avais fait une blague justement à propos de ça, et elle était particulièrement nulle. Mais je vous en parle parce que j'y ai repensé en voyant le dialogue, du coup je me suis dit, allez, c'est le moment. Et donc, bah, écoutez les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là. Comme je vous avais dit, on arrive jusqu'au village et ensuite, advienne que pourra, voilà. On a réussi à arriver au village assez vite. Très honnêtement, je pensais que je galérerais beaucoup plus. Pour info, là vraiment, il n'y a pas eu d'ellipse, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de coupure. Alors que dans l'épisode précédent, vous l'avez vu, en plus je suis désolé au montage, c'est après le montage que je me suis rendu compte que la coupure de l'ellipse était complètement foireuse, j'avais fait n'importe quoi. J'en suis vraiment désolé, c'était dégueulasse. Mais bon, en soi, vu que c'était une coupure, elle était encore à peu près bien faite, donc c'était pas gênant, mais ça m'embête un petit peu de ne pas l'avoir bien faite avec une vraie transition. Donc je tenais à m'en excuser, vous demander pardon pour ça. Et puis, bah, écoutez, là je suis très content parce qu'on a bien avancé, j'ai beaucoup moins galéré que la dernière fois, parce que bon, j'ai un peu repris le truc quand même. Mais je pensais que je galérais beaucoup plus que ça, donc je suis quand même très content de moi. Et donc, bah, écoutez, j'espère en tout cas que ce petit épisode vous aura plu, et je vous donne très vite rendez-vous pour la suite de notre challenge sur Kingdom Hearts The Final Mix, les amis. C'était Ria, ciao tout le monde, c'était Ria, bye bye.